devenez obsessif. Tu as bien entendu. Je te demande aujourd'hui d'être un obsessif en contrôle. Il y a plein de façons de développer une entreprise et sa carrière. Mais si vous n'êtes pas obsessif en contrôle, ça ne marchera pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, puisqu'on est tous obsessifs de quelque chose, ou de quelqu'un, ou envers quelque chose, eh bien, être obsessif en contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je décide, à partir de maintenant, que tout ce qui concerne mon développement personnel, c'est ma priorité. À partir de maintenant, je décide que tout ce qui touche ma santé, c'est une priorité. Et je serai obsessif sur la façon de bien manger. Je serai obsessif sur la façon de rester en pleine santé. Je serai obsessif sur la façon de finir ce que je fais. Je serai obsessif sur la façon de bâtir mon équipe et donner vie à mon rêve. Ça, c'est de l'obsession en contrôle, choisie. De l'obsession choisie, contrôlée. On ne peut pas contrôler l'environnement, mais on peut choisir nous-mêmes. Ça, c'est de la bonne obsession.